encore une vidéo pour les Maliens. Regardez les couloirs de la salle pour Edouard Dibawan. Il a assuré tous les gradats sont fiers de Dibawan. Voilà, on est tous fiers de Dibawan. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouce bleu, partage. Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est Héritor, vous savez, ça ne chauffe pas et ça va jamais chauffer. Voilà, on n'a qu'une seule vie et donc il faut en profiter. Cette vidéo est spécialement dédiée à Dibawan, mais franchement, sans vous mentir, je ne serai pas long parce que je vais juste vous montrer quelques images de son concert. Parce que d'abord, je vais vous montrer une vidéo pour vous montrer combien de fois Dibawan, il est international, il est beaucoup aimé. Peut-être qu'il n'a pas la communication requise ou adéquate autour de lui, mais le mec, il est aimé des quatre coins du monde. Voilà, je ne serai même pas long. Si j'ai trop fait dans cette vidéo, c'est peut-être deux minutes. Je préfère aussi vous annoncer qu'aujourd'hui, à partir de 16h, je vais mettre une vidéo en ligne pour me prononcer pour la dernière fois sur l'affaire des Bordeaux bébé Philippe. 16h, je me prononce pour la toute dernière fois sur l'affaire bébé Philippe des Bordeaux. Voilà, je vais dire les vérités qu'il y a à dire et puis on n'en parle plus. Voilà, on n'en parle plus. Parce qu'il faut dire la vérité, hein. Dans le fond, il y a beaucoup de découragement. Voilà, moi je ne sais pas encourager la bêtise, je ne sais pas faire ça en fait. Voilà, quelle que soit la raison, quelles que soient les raisons, je pense qu'il faut souvent boire un peu d'eau d'humilité, un peu de compréhension pour avancer. Donc rendez-vous à 16h. Mais ceci étant, comme je vous disais, je vais vous montrer quelques images du concert Dibawan à Paris. Franchement, c'était quelque chose de ouf. La salle, je crois, Paul-Éloi, non? Paul-Éloi ou Saint-Éloi était bondée de monde. Et tellement que la salle était bondée de monde, il y avait encore des gladiateurs à l'extérieur de la salle qui voulaient forcer l'entrée. Or, la salle était archi pleine. Il n'y avait plus de place. On ne pouvait pas recevoir encore du monde parce que la salle même refusait du monde. Ce n'est pas dans un bar que Dibawan a fait son spectacle à Paris, je suis désolé. Ce n'est pas dans une petite salle, je suis désolé. Pour une star que certaines personnes jugent pas internationale, franchement, pour le monde que vous allez voir là, vous-même vous allez juger. Entrée payante. Et tellement que le show était chaud, tellement que la fête était belle, le responsable des lieux a eu peur qu'il y ait des casses. Vous allez le remarquer même dans la vidéo. Respectez l'empereur Kwaku Musa. Voilà, moi je ne suis pas fan de n'importe qui. Et ce qui me plaît le plus, on peut dire tout ce qu'on veut dire sur lui, mais Dieu seul sait que le gars, il est vraiment humble. Et c'est un homme de cœur. Bon visionnaire à tous et à toutes. Je suis le président de la République.
Ils seront obligés d'éteindre les lumières, de tout couper. Ouais, attendez, les gars. Il n'y a pas de choix. Il faut que la scène soit évacuée. Pour que la scène s'en fait. S'ils ont rien à faire sur la scène, il faut qu'ils descendent, s'il vous plaît. Ça va continuer. Ça va continuer si tout le monde se rassoit. Avec du mal. Sur la scène, s'il vous plaît, descendez de la scène. Même les hôtesses, vous n'avez pas le droit d'être sur la scène. S'il vous plaît, ceux qui n'ont rien à faire sur la scène, ils descendent. Vous êtes un peu
Saint-Denis à la prochaine émission pour ce soir de Coupe d'Europe.